Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu The Walking Zombie 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il va falloir aller au deuxième étage, trouve du matériel d'escalade dans le barrage. Je cherche le matériel d'escalade. Il y en a dans la grotte. Il y a un entrepôt avec du matériel militaire. Il y a plein de vers et de zombies, alors on a dû fermer et sécuriser. Il y a quand même moyen d'y entrer. Tu trouveras le code d'accès dans la grotte sous la table à côté de l'ordinateur. Si tu y fais ménage, prends tout ce que tu peux. 2, 3, 8, 4. Exactement ce que je voulais faire. Trouver le matériel d'escalade. Rien que ce que c'était, ben. Ça va, Félix? T'es toujours ton pénis? Fouille le deuxième étage et tente de trouver les scientifiques.
clé. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ça bogey. Putain, ouais. Parmi les dernières missions de cette ville. Bon, c'est pas.
Vous avez trouvé une photo de votre mère. Sauvez les scientifiques. Peu le boss bionnet. Oh, donnez les autres balles au moins. Fio. Bon. Et voilà. Deuxième étage. Secouru les scientifiques. Là-bas, Costa et Félix, t'as trouvé un pénis?
Go forest, go forest. Merci d'avoir sauvé mes collègues. Voilà une petite récompense. On parlait de ton idée de créer un remède. Ils sont super intéressés. Ça semble prometteur. Mais il faut que tu nous accompagnes à Nordville. On a du matériel pour créer des remèdes là-bas. Je vais te le marquer sur la carte. On va passer devant toi. Soit tu viens avec nous maintenant. Toi, tu nous rejoins plus tard. Quoi ça? Des balles? Hmm. 34 au moins, j'ai eu peur, c'est 54 missions encore. La dernière ville en souhaitant. Hey, ça fait 30 fois que je joue à ce jeu là à un moment donné là. Quand t'as mis en 25-30 heures dans un jeu là, ça va être encore. Centre spatial, centre nucléaire. Je suis venu avec mon pote, il a peut-être la clé pour trouver un remède. Il a peut-être la clé. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je suis né il y a 20 ans, ma mère s'est transformée en zombie pendant ma naissance, mais moi j'ai survécu. Un jour, un ami m'a abandonné dans une maison assaillie par des zombies. Je me suis fait mordre, j'ai perdu connaissance. En me réveillant quelques jours plus tard, j'étais en bonne santé et mes blessures étaient guéries. J'ai rencontré plein de gens au cours de mes aventures et ils m'ont permis de trouver un groupe de... scientifiques. Je les ai tirés d'une base scientifique de la ville au soleil, ils m'ont amené vous voir. C'était ma mère. C'est ta mère? C'est incroyable. Je savais pas qu'elle était enceinte. Ça veut dire que... Tu es mon fils? Ton histoire est extraordinaire. Il faut qu'on en apprenne plus sur ton dos. Mais aussi, on a d'autres problèmes ici à cause de Smith, mon ancien collègue. Ton aide serait appréciable. Je serais bien content de vous aider et d'apprendre à vous connaître, monsieur. Oh. C'est temps de tirer une balle à la face. Je suis content que tu aies retrouvé ton père. Adam est quelqu'un de bien et un excellent scientifique. Il t'aidera avec joie pour créer ce remède, mais on a un autre problème, notre ancien collègue Smith.
Il nous a volé nos recherches et travaille dessus de son côté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tente de le suivre pour savoir ce qu'il manigance. Il se planque surtout à côté de la centrale nucléaire. Je te salue et Dieu t'aide. J'ai déjà entendu ton histoire. Je crois en ton pouvoir de guérison. J'essaie d'aider des habitants de Northtown et j'aurais besoin de faire escorte quelqu'un dans la forêt. Tu sembles avoir de l'expérience. Tu pourrais m'aider? Mon fils, je crois que ça va me prendre du temps à m'habituer à ce que tu m'appelles comme ça. J'ai quelque chose à te dire avant qu'on commence à travailler sur le remède. J'ai un fils, Johan, ça veut dire que tu as une sœur. J'aimerais te la présenter, mais elle est partie en expédition avec un autre groupe. Cela dit, elle devrait être de retour. Va à sa recherche près de la forêt. Et j'espère que c'est pas elle qui a marié. Ça serait dégueulasse. Vous n'êtes pas digne de soulever ce marteau. Vous pourrez retenter votre chance, bon. Ah, c'est vrai, je suis pas d'admission. Merde, j'aurais dû acheter des balles, j'en ai. J'suis pris, hostie.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça suffit. J'en peux plus que Dieu me pardonne mes péchés, je n'en peux plus de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? The Riddle, il n'arrête pas de me faire du chantage à cause de mon histoire. Il me force à faire son sale boulot. Pas de soucis, je peux t'aider avec tes problèmes, on va trouver une solution. Merci enfin un homme, sœur. Je prie pour toi, Joanne. Bon. Suivez les traces de sang. Fouillez la zone. Bon, il reste un zombie. Oups. Et voilà. Encore du sang.
Vous n'avez pas trouvé votre sœur, mais vous savez où trouver son employé. Sauvez-le. Et voilà. Salut Babas, comment ça va? Celui que tu escortais était mon oncle. Rattle veut le sacrifier à côté de la centrale nucléaire. J'ai l'impression que Rattle perd la tête, probablement à cause des radiations. Tu pourrais m'aider à sauver mon oncle? Ah oui. Je le connais, il m'a dit qu'il avait été attaqué par une meute de loups et un ours. Certains d'entre eux ont réussi à s'échapper en passant par les égouts de la centrale nucléaire. Vas-y, cherche une piste à côté des égouts. J'espère que tu y trouveras le reste du groupe. Je vais demander, on vit est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu? Allez, vers la centrale nucléaire.
Tabarnak. Stop, je te connais. C'est le nouveau qui vient de North Town. Mes informateurs m'ont parlé de toi et ton histoire. Moi aussi j'ai connu ta mère. C'est moi qui l'ai infectée pendant les tests. Mais c'était pour son bien. Elle aurait pu être meilleure que n'importe qui. Joins-toi à moi, tu seras meilleure que ta misérable mère. Non, tu vas regretter. Je vois que ça t'intéresse pas, mais quand tu auras entendu mes plans, tu changeras d'avis. Contrat nucléaire.
Tabarnak, j'aurais pas dû. Thank you.
On viendra après parce qu'il commence à manquer de balles. Alors, vu la tranche que tu tires, on dirait que tu l'as trouvée. Il a tué ma mère, je l'enverrai en enfer pour ça. Désolé d'apprendre ça, tu as trouvé quelque chose sous les recherches. Il remplissait des tonneaux de matériaux radioactifs. Une petite idée de pourquoi il ferait ça, on dirait qu'il veut revenir à ses idées dingues. Raconte un peu. J'ai besoin que tu trouves un scanner Gage. Tu devrais pouvoir en trouver dans un entrepôt à l'abri. J'ai trouvé des traces de sang, mais pas Joanne. Dès que je connais Joanne, elle tente sûrement de retourner chercher le reste du groupe dans la forêt. Retourne à la forêt et cherche encore une fois. Je vais aller voir ton appartement au cas où il serait retourné. Je suis en train de. J'ai effacé mes. J'ai vendu mes balles, le tabarnak.
Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis en feu? Comment est-ce qu'on a pu te faire ça tout de suite, le sauver? Voilà une vague de survivants. Débarrassez-vous-en.
Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien à faire ici. Un gars de Norton m'a envoyé ici. J'étais censé me relever dans une semaine. Je ne suis pas ta relève. Je cherche un scanner gauge. Ouais, tu as trouvé. Tu en trouves un au sous-sol dans le labo de recherche. Je crois qu'il est rangé dans la deuxième section. Et voilà.
C'est Joanne, votre sœur, il faut l'escorter en lieu sûr. Merci. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. The Walking Zombie 2, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!